que sont mes amis devenus, que j'avais de si près des nus. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un tirage de cartes un peu spécial. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de ce type là sur ma chaîne. Et je suis retournée dans un endroit que j'aime beaucoup pour effectuer ce tirage de cartes pour la nouvelle lune de ce mois de mai 2018. Et tant aimés, ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés, l'amour est mort. Pour cette nouvelle lune, j'ai travaillé avec le jeu de cartes oracle des maîtres ascensionnés ainsi que le tarot des fées de Dorine Virtue. Avant de vous dévoiler quel a été le tirage de cartes pour cette nouvelle lune, j'aurais envie de vous partager un secret, un petit rituel que j'ai depuis des années. Et je me sens protégée, je me sens connectée à la nature avec ce rituel. Si vous voulez l'effectuer, je vous conseille d'aller dans un endroit de nature où il n'y a pas beaucoup de personnes qui marchent. L'idéal, c'est de le faire dans un endroit où il y a de l'herbe verte, voire même des fleurs, dans un endroit où il y a des oiseaux, c'est quelque chose de naturel et où vous vous sentez bien dans cet endroit. Mais surtout, le plus important, c'est de le faire dans un endroit où la nature est propre. Angus. Cette carte annonce une relation avec une flamme sœur. Il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur et intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Autre signification possible, l'objet de votre question concerne votre âme ou votre flamme sœur. Vous serez bientôt avec votre flamme sœur. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur, restez confiant et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. Angus est un dieu celtique qui aide les âmes et les flammes sœurs à se retrouver et à former un couple harmonieux. Les flammes sœurs sont encore plus proches et plus éternelles que les âmes sœurs. Il aide les amoureux à résoudre leurs disputes grâce au son magique de sa harpe et à ses baisers bienfaisants. Lorsque Angus a aperçu la très jolie Caer, il en est tombé follement amoureux. Il l'a suivie jusqu'à qu'il la trouve attachée à des cygnes par des chaînes d'argent.
Angus s'est alors changé en cygne pour rester toujours lié à sa flamme sœur. Faites appel à Angus pour rencontrer votre âme sœur ou flamme sœur, ainsi que pour résoudre une dispute d'amoureux. Angus est un dieu celtique de l'amour. Son nom signifie « jeune fils ». Angus joue de la harpe, instrument magique en or, qui hypnotise toutes les personnes qui entendent les douces mélodies qui s'en échappent. Comme Cupidon, il contribue à rapprocher les âmes sœurs. Chaque fois que la survie d'un amour est menacée par des querelles ou des ingérences extérieures, Angus tisse autour des amants une toile à l'aide des mélodies irrésistibles de sa harpe d'or afin de les réunir à nouveau. On dit que lorsqu'il envoie un baiser, celui-ci se transforme en un superbe oiseau qui porte des messages d'amour vers les amants qui font appel à lui. Angus vit entouré de fées dans un brug, un palais de fées. Il est le demi-frère de la déesse Brigitte. L'aide apportée par Angus dans le domaine des relations amoureuses est légendaire. Sa rencontre avec Caer, sa propre âme sœur, tient elle aussi de la légende. Angus a aperçu Caer pour la première fois en rêve et son cœur s'est immédiatement empli d'un amour des plus profonds. À son réveil, il s'est mis à la recherche de sa bien-aimée, même s'il ignorait encore qui elle était et où elle se trouvait. Le tenace Angus a fini par trouver sa belle, qui était attachée à de superbes cygnes avec des chaînes d'argent. Angus s'est alors transformé en cygne afin de la sauver, après quoi les amants sont demeurés unis jusqu'à la fin des temps. Les deux amoureux passaient leur temps à chanter et à jouer des ballades romantiques aux amants de partout. Angus a également aidé deux jeunes amants appelés Diarmuide et Graine à se tirer d'une situation menaçante. Une fois les deux jeunes gens hors de danger, Angus a affronté leur persécuteur jusqu'à ce qu'il accepte de cesser de tourmenter les deux amoureux. Ne devenez jamais l'esclave ou la prisonnière de qui que ce soit, ni de quelque substance ou situation que ce soit. Soyez une servante consentante. Donnez sans entrave à partir d'un cœur libre. De cette façon, vous évitez de tomber dans le piège du ressentiment qui s'accumule comme de la plaque à l'intérieur des cœurs tendres et qui annihile toute passion. Donnez librement à l'être aimé sans attendre de récompense et sans égard aux conséquences, avec pour seule motivation le pur plaisir que procure le don, qui constitue sa propre récompense. Invocation. Portez des vêtements rouges ou roses symbolisant l'amour romantique ou tenez à la main un objet de cette couleur. Faites jouer de la musique douce, contenant de préférence de la harpe, et invoquez Angus comme suit. Majestueux Angus, je fais appel à ton aide en ce qui concerne ma vie amoureuse. Décrivez en détail ce que vous souhaitez. Je souhaite ton intervention pour que tu emplisses mon cœur et ma vie d'harmonie, de passion et de romance. J'ai tant d'amour à donner et j'ai besoin de ton aide pour y arriver. Si j'empêche le grand amour de survenir dans ma vie, de quelque façon que ce soit, je te prie de m'aider dès maintenant à faire disparaître ce blocage. Je te remercie, Angus.
Apprenez autant que vous pouvez. Il peut être temps de retourner à l'école ou bien de vous former dans les compétences que vous recherchez. Cela pourrait impliquer de suivre des séminaires, d'approfondir votre développement professionnel ou même de retourner à l'université. Peut-être allez-vous acquérir des compétences en tant qu'apprenti ou enseigné en tant que mentor. Si vous souhaitez changer de carrière, c'est le moment idéal. L'énergie que vous mettez dans votre travail est reconnue et appréciée par tout le monde, y compris les fées. La loi d'attraction vous retourne votre énergie sous forme de prospérité, d'abondance et d'avancement. Une petite fille fée apprend un métier de sa grand-mère qui est aussi son mentor. Elle prend bien soin d'écrire tout ce que son professeur a à dire. Message supplémentaire offert par cette carte. Éducation, excellente maîtrise du métier, être bien payé pour un travail de haute qualité, projet à long terme, un travail qui représente qui vous êtes, faire de la recherche. Dans le tarot de Marseille, le 8 de l'automne correspond au 8 de denier. Et qu'il vantait devant ma porte les importants.